Réunis en une seule phrase, attention à bien accorder le verbe. La biche traverse le sentier. Le faon traverse le sentier. On a un verbe qui est identique, tu vois, traverse et traverse. Dans cette première phrase, le sujet, c'est la biche. Dans cette phrase, c'est le faon. On va faire une phrase avec ces deux-là. La biche et le faon traversent, ENT, comme on est au pluriel, le sentier. Allez, on se retrouve tout de suite après la pause. Ségolène ramasse des champignons, Nicolas ramasse des champignons, François ramasse des champignons. Donc ces trois personnages font la même chose. On va donc pouvoir faire une phrase à partir de ces trois phrases en groupant les sujets Ségolène, Nicolas, François. Et ça va nous donner Ségolène, Nicolas et François ramassent ENT des champignons. Donc ici, ramasse ENT. Coraline regarde la télévision. Son jeune frère regarde la télévision. On a le même verbe, regarder, regarde. Et deux sujets différents, Coraline et son jeune frère. On va grouper ça en une seule phrase. Coraline et son jeune frère regardent ENT la télévision. Regarde ENT. Thank you.